Les parents sont coude à coude et elles se prennent devant. On te parle de Marie. Avance, je vais le vivre par ici, comme ça, avance. Non, 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 non. Ça, c'est une parole. Où est le boss? Il est dans la chambre. Assez, voici. Ça, c'est une bonne bouse. Il est dans sa chambre, c'est mon mot. Hein? C'est mon mot. Appelle-le. Regarde. Ah. Papa, je vais laisser ma dame, je ne veux pas boire l'eau. Non, 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 appelle-le. Je sais que vous autres travaillez. Mambo. Oui, la famille t'appelle. Viens, c'est la famille. Passe comme ça. C'est lui, c'est lui. Passe. C'est le voici. C'est là où? Oui, oui, le gouffre-fort. C'est où? Donne-le ce qu'il veut, papa. Donne-le ce qu'il veut. Mon père. Donne-le ce qu'il veut. Où est l'argent? Ça, c'est le bouche. Où est l'argent? Mon père. C'est où? Dedans. Général. Le gouffre, le mot de quoi, c'est quoi? Le mot de gouffre-fort, c'est quoi? Mon père. C'est quoi? Karachev, chef. La vie, c'est comme un roman où chacun a sa page. Pense à ta propre vie avant de raconter celle des autres. Nous sommes seulement venus faire du jeu chez les gens et tu vas te laisser des chatons. Espère que ce qu'on t'a dit. C'est déjà l'argent, espère. Je me connais, mais c'est l'argent. Quel couffre-fort de bas? C'est bon. Fou. C'est bon. Je ne vois pas d'avoir les choses. Paul. Sors la pile. Ok. Allô, les gars. Venez au-dessus ici. On a Maxime 10 minutes. Maxime 10 minutes. Des bandits, ils sont passés par où? Et voilà, il est bonheur. C'est vrai. Espère que je compte toi, dis. Pas non plus. C'est déjà l'argent, espère. Je me connais, et c'est l'argent. C'est bien bon. As-tu habillé? Mambo! Mambo!
Maman! Qu'est-ce que c'était? Tu ne dors pas. Non. Grave. C'est grave. Maman. Maman. Réveille-toi. Réveille-toi. Ils vont t'envoyer ta peur. C'est grave. C'est grave. Réveille-toi. Il y a les bandits dans mon salon. Il y a les bandits dans mon salon là-bas. Les bandits. Les bandits. Les bandits. Il y a la cadre dans mon salon. Pourquoi encore? Tu sais que les bandits allons commencer mal à la commissariat. Si on fait comment, ils vont te trouver ici dans les chambres. C'est je veux dire, quand ils viennent comme cela, c'est la première fois que les bandits entrent ici. Ibrahim, c'est toi qui viens, c'est chez toi. Allons, allons voir. Non, pardon, Ibrahim, laisse-moi, ils sont au travail. Laisse-les, ils vont filer le travail par moi d'or. Comment tu peux m'abandonner dans la situation? Allons, lève-toi, lève-toi. Dis donc, Ibrahim. Tu n'es pas un homme. Je suis un homme. C'est un homme que quand on tire là, mais ça n'entre pas. Tu as pourquoi? Là, tu es sûr que tu ne fais pas les affaires, que tu prends les passeports aux gens, que tu vas le faire? Pas moi, Ibrahim, ça m'aide. Je n'ai pas fait ça. Ibrahim, depuis quand il voulait venir passer le week-end ici chez toi, mon compte est fatigué. Tu t'as dit qu'elle est bandit, qu'elle est bandit. C'est son petit. Ah, le croche, voilà, c'est son petit. Lève-toi. Ouais. Attends, go. Il est dans le sable. Attends. Je suis allé. Sois ici. Tu as l'argent de quelqu'un. Non, je ne dois personne dans mon nom. C'est le père de tout. Je ne dois personne. C'est la première fois que le bandit entre ce monde. C'est quand il vient, c'est moi. Tu as bouffé une tortille. Je n'ai rien bouffé comme une tortille. Tu fais pas les affaires, tu prends l'argent, tu vas le faire. Wallahi, ça ne fait pas de faux. Pardon, respecte, parce que c'est pas un règlement de compte. Moi, je ne fais jamais le faux. Ne t'inquiète pas. Si ce n'est qu'un règlement, si ce n'est qu'un vrai bandit, ils vont faire le travail sans baisser quelqu'un. Mais si c'est un règlement de compte, ils vont te chercher. C'est ce qu'on est, nous, là, nous. Je voulais comme ça que tu appelles même les interventions, mais si tu appelles même, il y aurait un problème de carburant. Si tu as entendu, allez, sache que s'ils ne sont pas nombreux, tu peux les neutraliser. Je fais les arts. Moi, je fais les arts. Comme ça, avance. Non. Ça, c'est pas le... Où est le boss? Il est dans la chambre. Assez, voici. Ça, c'est le boss. Il est dans sa chambre, c'est mon beau. Hein? C'est mon beau. Appelle. Regarde. Papa, je venais ce matin, je ne sais pas voir l'eau. Non. Appelle-le. Je sais que vous êtes au travail. Mambo. Oui, la famille t'appelle. Viens, c'est la famille. Passons ça. C'est lui.
Passe. C'est voici. C'est là où oui, oui, le c'est où donne oui, ce qu'ils veulent, papa. Donne ce qu'ils veulent. Mon pauvre, mon pauvre. Donne ce qu'ils veulent. L'argent. Ça, c'est le bouche. Où est l'argent? Mon pauvre. C'est où dedans, dedans, dedans. Général. Quoi? Le coffre, le mot de quoi c'est quoi? Le mot de coffre, c'est quoi? Mon pauvre, mon pauvre. C'est quoi? Karachev, chef. Allah, Allah. Eh, doucement, doucement. Doucement, doucement. Je vais mourir pour les biens de la terre. Écoute, personne ne vient sur la terre avec quelque chose, hein. Personne ne vient sur la terre avec quelque chose. Ce n'est que le matériel. Douleur, c'est la main qui travaille. Avance. Oh. Avance. Assieds-vous. Ok. Pas de plus. C'est bon, je viens. Tu as combien? Hein? Monsieur, avec tout l'argent que vous avez, écoute, maman, je suis là. Hein? Qui a fini le mauvais jour? C'est où? Ce n'est pas le bon jour. C'est où? C'est la semaine prochaine que je vais faire le versement. Pardon? Ce n'est pas le bon jour. Hey. C'est du tout, c'est le truc de la terre. Ça va. Oh, ça va. Vous voulez voir un truc? Oh, madame. It's good. Calme. Abalabo, Aïcha. Oh. Génial. Je suis dans la chambre. C'est mon femme. Non, c'est mon femme. C'est pour le bien qu'on va te faire. Fais du bien. Thank you. Général. Bon. Compte ça. C'est vrai. Non, on sera en train de bombarder ta madame là-bas. Lui-même sera en train de faire la pauvre guédie ici. Fais attention, c'est le bien de la terre. Tu veux juste la terre avec moi. Fais la pauvre guédie. Général. Ça y est. It's good. C'était bon? Non. Ça va. Tant que ce n'est que le matériel, et que tant que tu as ôté deux bras, c'est mieux que de te ôter la vie. Tu comprends? Et maintenant, comme je sors de chez toi, plus jamais je mets mon pied chez toi. Tu as rien dit, c'est quoi avec les bandits? Je ne sais même pas pourquoi ce n'est que toi qu'ils ont vu. Mais ça, ma part de bois blanc qui passe son temps à dire que elle n'a jamais atteint l'orgasme. Il fallait c'est elle que le type l'apprend. Regarde, je vais plus pied ici parce qu'il pouvait se fâcher comme ça s'il avait mangé un truc. Il me prenait aussi. Plus jamais. Vas-y, tais-toi. Le bandit vient sur moi. C'est comment ça, ouais? Mon femme, mon zarzam, voilà.